Bonsoir à tout abonné nous yo, bienvenue ou sous TAC 509 tout haïtien connecté. Jodi an si yon plaisir encore pour émission parlant mon éditorial rentre la caillou. Pas à pas Haïti a plongé dans une décadence, dans un déclin social, la population a fait face à toute forme d'inégalité. Est-ce que l'État haïtien a tout moyen possible pour combattre l'inégalité ça yo? Nan ghetto yo, nan masse peuple, nan classe moyenne nan, et exiger bourgeoisie pese sous CA contribuer nan développement socio-économique pays. C'est autant de questions jodi an nou pral répondre sous différents moyens gouvernement ou sinon l'État ka utilisé pour blayer justice sociale nan pays nan mitan chagrin haïtien. Déjà m'a annoncé un sujet pour émission demain, vleyon participation massive de chaque internaute k'ap tande m la. Pendant la passe dans l'écran, m'a profité rappeler nous li. Mais ça sujet a dit qui meilleur comportement Jovenel Moïse doit adopter après 7 février 2021 s'il pas ta ali pour espérer rétablir la bonne gouvernance dans pays. Dans cas ça, qui attitude opposition politique là doit adopter pour rejoindre confiance dans peuple. Ou ka voye un message audio, un voice qui pas dépassé 3 minutes dans numéro qui a passé en bas écran. M'pa ba nous garanti que tout a passé mais m'a sélectionné meilleur point de vue ça qui plus réaliste yo, et n'avancer avec. Opinion compte, point de vue compte, donc on parler pays, on parler ça qui gagne pour avec changement pour Haïti. Qui sa justice sociale là? Justice sociale là c'est un principe politique et moral à partir duquel l'État doit créer une certaine égalité de richesse payant pour tout citoyen lio. Est-ce que c'est le cas en Haïti? On ka dit non au grand jamais parce que il y a des concepts clés qui doivent participer dans construction d'un état de droit qui pas existé dans pays. Tant qu'on équité, justice sociale, égalité des chances, égalité de droit. En gros, tout principe fondamental existe sous papier, existe dans la Constitution, existe dans des traités internationaux, existe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais, dans la pratique, yo pas applicable parce que l'État pas créé des structures, l'État pas fait mise en place pour répondre à besoin de population. Dans dernier mois qui s'est passé, le mouvement de protestation était en pile. Nous avons plusieurs catégories moun nan vie nationale te pran béton pour exiger l'État ba yo bon condition la vie. Tant kou nous te gen policier SPNH, nous te gen Fantom 509, nous te gen élève l'école, nous te gen étudiant, professeur, travailleur dans factory, nous gen des officiers de justice, nous te gen greffier, nous te gen tout médecin et la trier, yo t'a demandé pour l'État rendre compte de l'argent taxe ça qu'il pour y payer parce que y a vivre tant kou bête pour me pas dire puis mal que bête même. Tout gouvernement qui a pensé pour peuple t'a doué privilégier notion de justice sociale parce que c'est moins plus efficace pour arriver combattre au maximum ensemble d'inégalité que le matériel dans l'argent bien que le symbolique dans qualité service l'État gain pour offrir citoyen lieu. Justice sociale là basée sur deux principes. Dans un premier temps, nous gain un principe égalité de droit qui veut chaque grain haïtien joindre le même traitement dans une même situation. Donc tout le monde c'est monde, tout le monde soumet à un même principe, tout le monde soumet à une même obligation. Donc pas gain monde pas c'est monde. En deuxième temps, nous gain principe équité qui prend en compte situation individuelle chaque monde basé sur un sens moral, basé sur la moralité qui veut une même justice pour tout le monde. Nous toujours longer doit nous sous l'État qui a favorisé l'inégalité, qui a créé plus misère parce que accès à travail très difficile, c'est chômage par ci, chômage par là. Et nous avons raison. Le pourquoi? Parce que droits fondamentaux, tant que droit à la vie, droit à la santé, l'éducation, droit à la sécurité, c'est des droits constitutionnels. Et président, en tant que garant de la bonne marche des institutions, garant du respect de la Constitution, t'a doué capable de peuple anti ça. Alors que nous tendez pour quantité l'argent, chef gang pas bon ici, joine pour quantité l'argent chef gang pas boy ici gain. Donc c'est pas normal pour déséquilibre aussi évident, c'est pas normal pour misère aussi disproportionnée, c'est pas normal pour peuple à vivre dans extrême pauvreté ça. Est-ce que d'après ou même li normal pour premier l'hôpital paysan pas ka offrir population un service adéquat?
pas d'instrument de base, yo, résident yo pa ka touché, interne yo pa ka touché, malade abdomen sous carton, en pleine mondialisation et puis Haïti lui-même l'avance vers la dégringolade, l'avance vers la décadence socio-économique. Alors que l'État a tout moyen disponible dans mel pour équilibrer disparité ça yo. Premièrement, le DGI prélevé taxe à impôt sur contribuable. Faut que nous commencions à assurer nous que l'argent malheureux, ce n'est pas bandit à le payer avec eux, mais plutôt nous redistribuer, nous créer, bon gens l'école à l'hôpital, mettre campé des systèmes de crédit. Ce n'est pas dit qu'il y en a, et puis les gens qui payent cotisation sociale chaque mois, pas même accès pour prêter, alors que gros bourgeois, amis pouvoir, proches pouvoir, qui finent grand monde, a prêté des millions de gouttes sous 30, 40, 50 ans, leur mourir, l'État prend son bio. L'État met zombie au travail, ça c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Dans tout pays sous la terre, depuis qu'il y a concentration de richesse, il y a concentration de pouvoir tout. Mais les plus mal dans le pays sous développé tant qu'à Haïti, parce que la majorité des gens qui ont richesse, c'est au détriment de casse pour être plus faible. Yo rive bâti empire, yo rive créer fortune yo, et puis l'état lui-même, li ferme les yeux sur ça parce que c'est l'état encore qui a favorisé yo. Et c'est même moun sa yo qui gè contrôle politique là, qui gè contrôle économie, qui gè contrôle média yo. À tous les coups, inégalité qui gè dans système socio-économique pays, c'est pesant. C'est pesant parce que nous nous en pays côté tout moun pas soumettre avec même droit, côté tout moun pas soumettre avec yon même obligation. Dans cadre égalité des situations, par exemple si me vole, li pi facile pour m'entrer dans prison que petit yon président, yon ministre, yon parlementaire. Parce que préalablement, situation socio-économique, mon statut social, mon différent de li. Tout ça, c'est résultat yon mauvaise répartition de richesse paysan qui vient aboutir à injustice sociale, à yon inégalité dans la classe sociale qui pi faible. Comment l'État a intervenu pour protéger l'intérêt collectif là, river réduire diverses catégories d'inégalités socio-économiques chaque grain haïtien fait face jodi an là. Il y a deux méthodes possibles et à la fois méthode ça yo cumulative, une ka compléter l'autre. Premièrement, gen ça nous relé la logique d'assistance. Côté l'État ka décidé prélever taxes ak impôts sur moun ki pi riche pour redistribuer la population vulnérable à travers des biens et des services que l'État a décidé de mettre disponible pour fonctionnement service public. Ce n'est pas que le concept ça li pral aboli inégalité yo, mais la privé contribuer à réduire le plus que possible tout gros écart qui gagne parce que masse la population qui vulnérable yo yo arrivé joindre service ça yo qui dans zone yo qui dans département yo qui dans commune yo yon façon pour aider au changer situation la vie yo. Comment t'es fait pour te gérer période confinement? Comment l'État t'a aidé au gérer pandémie corona bola kayo dans commune ou dans département? Est-ce que t'es joindre 3000 gouttes là? Soit fait avec, ça pas gardem parce que c'est obligation l'État pour porter assistance, c'est obligation l'État pour aider ça qui plus faible, c'est obligation l'État pour aider population qui vulnérable. Nous non pays côté autorité ont délaissé vraie responsabilité, ont quitté peuple vulnérable, mais défavorisé besoin implication directe l'État pour aider au ralon souffle, pour porter une assistance directe à tous les niveaux, que l'alimentaire, que le financier, pour créer un accès direct à des services sociaux dans le quartier. Mais nous, ce n'est pas ça qu'a fait. Par contre, si nous prenons le temps pour consulter le budget national, chaque ministère a des fonds qui alloués pour eux pour des programmes de protection sociale. Mais est-ce que le programme ça arrive effectif? Nous pas connaît. Est-ce que c'est pas en façon tout pour détourner plus l'argent sous vulnérabilité moun qui la vivent dans ghetto sous vulnérabilité masse? Nous pas connaît. Deuxième méthode qui aide l'État arriver combattre inégalité socio-économique ça yo, c'est ça nous relé logique de protection sociale. Mais puis gros problème haïtien. En pile haïtien toujours pensé l'État le gouvernement ou son autorité inaugure un petit bout de l'hôpital, un centre de santé, un laboratoire, une école. À ta on vient puis, yo inaugurer c'est en faveur, c'est en cadeau. Mais non, c'est un droit fondamental l'État doit respecter envers chaque citoyen.
Et d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit clairement, nous libres et égaux en droit. Ça fait garde ou même si vous pensez que l'État a fait faveur. Parce que dirigeant moi nous gagne là, vous avez préféré piller pays à plat, prendre toute l'argent dans la caisse l'État et puis aller quitter tout haïtien dans la misère. Ça, c'est sûr, ça me garantit nous ça. Alors que chaque jour, nous payons des taxes, nous payons des impôts, et puis, nous pensons que l'État font bagay, leur inaugure un petit bout de route, leur inaugure un hôpital, son cadeau, pas un cadeau, nous payons pour ça, nous devons nos services. Nous pas oublier, l'administration Martelly a créé un fonds pour l'éducation, côté après 1,50$ sous transfert diaspora. Jodi, est-ce que nous dit dans quel niveau éducation est pas bon ici? Élèves dans la rue a demandé toucher pour professeur, professeur pas vinn travail parce que l'État doit au plusieurs mois arriéré salaire. L'école publique a mal fonctionné, l'école congréganiste yo même yo tourné l'école privée et ça pi drôle l'école privée yo tourné yo classe aristocrate qui a exigé parents yo d'énormes sommes. Comment nous comprendre des bébés qui dans kindergarten et puis l'école ça yo gen l'école qui a exigé parents yo $300 américains, $200 américains pour acheter tablette pour petit moun nan. Kap exige parents yo pour acheter nœud, pour acheter chaussettes à des prix très élevés en bas j'ai mouché l'état qui pas chambre dire. M'pa di l'école la pa ka vann chaussettes, li m'pa di l'école la pa ka vann ruban. Pas de problème. Mon pa ka mande pour un parent pa acheter un grain ruban, père ruban, deux grains nœud pour $10 américains. Nœud ça gen l'or sou li, chaussettes ça gen l'or sou li. Li pas possible, ça ou pas possible. C'est peser sous c'est craser ça qui fait bio. C'est ça lié. Jodi a la Haïti a fait face nou ka di à une exclusion sociale qui généralisée. Dans la mesure où pi fo haïtien yo pa gen accès à un revenu, yo pa travail, c'est chômage, yo pa gen accès total à l'éducation, alors que administration Martelly a prôné l'école gratis, yo gon programme sugo k'ap pran l'argent sou malere malereuse k'ap travail du nan fredi pour voye bay famille en Haïti, yo a pran l'argent sou yo ki pa réglé rien. Droits fondamentaux moun pa respecté, assistance sociale ak protection sociale c'est pure imagination. En gros, nous gon peuple ki lagé deux bras pendi. C'est là tout pour nous comprendre tout manque ça yo vinn contribuer à une extrême pauvreté qui vinn bay comme conséquence journée jodiya insécurité généralisée pays a fait face avec li là journée jodiya. M'pa là pour m'affoler quiconque mais Jean pays ça praler là si gouvernement cap gen pour vinn yo pas décider contribuer dans des projets sociaux dans des projets communautaires dans ghetto yo pour masse défavorisée c'est sûr que Haïti a plongé la plongé pi mal non abîme côté que nous ka di c'est peut-être on Somali qui a préparé pour Haïti nous pas connais mais nous espérer gouvernement qui vinn yo nous espérer administration qui gen pour vinn dans tête pays pour yo prendre ça en considération pour yo prendre masse défavorisée en considération pour yo prendre protection sociale, pour yon prendre assistance sociale, peuple, parce que nous pas cap contribuer dans pays ona, nous pas cap contribuer dans pays au Fatma, et puis nous pas cap joindre soin, pour nous pas cap joindre service qui approprié à besoin nous. En pile policier a plein parce que le chaque mois institution prélevé et en cotisation pour verser avec au Fatma et puis des fois yon kon ale, yon kon gen des problèmes de santé, yon ale dans au Fatma et puis au Fatma dit que l'argent poko là. Ou bien au Fatma dit que okay, frère a pas couvri pour tel examen, frère a pas couvri pour telle radiographie, frère a pas couvri pour tel bagaille. Li pas bon, faut nous reconsidérer situation policière dans la rue a bay service et situation sociale, situation économique yo vraiment précaire. Faut que l'état commence prendre bagaille ça en considération. Avant m'aller, m'a profité annoncer nous prochain sujet d'analyse n'a pour nous faire ensemble dans l'émission jeudi hein, dans l'émission parlant mon éditorial. C'est une émission m'vlène pour nous participer là-dedans. Et pour ça arriver possible, n'a gardé numéro qui a passé en bas écran, n'a écrit songe numéro, écrit dans numéro, voyez un commentaire, voyez un audio pour bay point de vue sur prochain sujet. Pendant m'a annoncé sujet, nous ka profiter garder. Qui ça sujet a? Qui meilleur comportement Jovenel Moïse doit adopter après 7 février 2021 s'il pas ta aller pour ta espérer rétablir la bonne gouvernance publique. Et dans cas ça, qui attitude opposition politique doit adopter pour rejoindre confiance peuple.
Pa ezite fem pa ou de point de vue ou panche ke point de vue pa pral kontribuye pou incite lot moun panse peyi, pou ede lot jen panse peyi. Donk, panse, chita vreman pran san nou pou nou reflechi de proposisyon, pran san nou pou nou reflechi an fason pou nou partisipe nan vi politik peyi nou, pou nou partisipe nan pran desisyon nan peyi nou. Se vre ke desisyon sa l kapa arrive abouti nan zorey Jovenel, li kapa abouti nan zorey et opposition, mais quand même nous faire ce que de droit, quand même nous participer instinctivement, nous participer positivement dans ce qui est bon pour le pays. C'est là que je mette un bout dans l'émission, mon éditorial pour aujourd'hui. Je vais croiser demain dans même le pour une autre émission. Toujours songez partager vidéo, liker, commenter. Restez connecté à TAC 509 pour suivre la programmation. Merci, à demain.